Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, très bien. C'est Nas pour une nouvelle dégustation. Et là, on va déguster le brownie pocket de Brossard. Donc, j'ai pris un pocket parce que c'est pratique. Par exemple, si on sort tout ça, on le met dans la poche. Pocket, ça veut dire poche. Donc, il y en a 8. Bon, le Nutri-Score D orange. Donc, faut pas manger énormément. Voilà, si vous voulez pas tomber dans l'obésité, tout ça. Faut pas manger trop. Voilà, vous avez un peu de lecture, vous pouvez mettre pause si ça vous fait un peu de lecture. Sinon, nutritionnel pour une portion. Ouais, beaucoup de sucre, beaucoup de gras. Bref, on connaît la sauce. Donc, il y a une petite ouverture facile qui permet ensuite de refermer si on le fait bien. Ouais. Et là, on peut refermer comme ceci. Donc ça c'est cool. Donc voilà, il y a 4 portions, il y a 8 portions, qui sont comme ça. Donc ça je peux le prendre comme ça avec moi. Hop. Mais ils sont denses. Ils sont petits, c'est des petits carrés, mais ils sont denses. Ils sont denses. Donc j'avais testé ceux de Carrefour. J'ai bien aimé, même si ça se rapproche un peu du cake, plus du cake. Voilà, un mix entre le cake et comment ça s'appelle et le vrai brownie. Donc on va regarder si ça ressemble beaucoup. Donc il y a un point négatif par contre. Il y a un point négatif, c'est que voilà, là il y a du chocolat et puis on en met partout. Le chocolat au-dessus, on en met partout. S'il veut me faire la mise au point, cette mise au point rapide, mais quand elle veut, donc je vous dirai lequel je préfère. Donc, il y a des petites pépites de chocolat à l'intérieur. Donc, ça fait un effet. Il y a un effet quand même cake. Il y a un effet cake. Ça permet de le tenir. C'est vrai que le brownie se décompose. Brownie, on dirait carrément, c'est plus du chocolat que de la farine. Là, on est plutôt entre le brownie et le cake. C'est plus chocolaté qu'un cake. C'est dense aussi. C'est plus chocolaté qu'un cake, mais. Et les pépites de chocolat. Est-ce que je peux faire la mise au point moi-même? Ah, j'aime bien. J'aime bien. Donc, ils sont validés, mais j'ai l'impression qu'on est plus proche du brownie là. Il n'y a pas le haut qui craquelle comme sur les plaquettes au four. Je les ferai aussi les plaquettes au four. Celles avec les plaquettes au four à l'intérieur, ça a l'air encore plus humide. Ça fait moins cake, ça fait plus chocolat. Ça fait on dirait que tu manges vraiment du chocolat légèrement fondu. Que là, on a plus une impression de cake, mais c'est très bon quand même. On est très proche du brownie quand même. Donc n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à me dire ce que vous en pensez, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. Donc aussi, vous avez le choix, vous pouvez regarder une de ces vidéos-là. Dans la dernière, elle est toujours là, la dernière vidéo que j'ai faite. Celle d'avant, celle-là, quoi. Et là, il y a d'autres vidéos aussi.